Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur City Skyline 2. Aujourd'hui, on va déjà commencer par faire baisser la criminalité. Et j'ai débloqué ça et j'ai oublié de le mettre. J'ai cherché un endroit dans la ville. J'ai pas trouvé d'endroit où ça pourrait très bien passer. Clairement, c'est un peu compliqué. J'aurais dû prévoir un endroit là, clairement. Mais comme qui dirait, j'ai un peu zappé. Là, je peux pas. Donc, je me suis dit, en vrai, du côté des dépôts, tout ça, là, dans cette zone-là, je peux le mettre juste là. Ça va faire baisser la criminalité. Regardez, là, on est à 95%. Voilà, tout le monde est content. Normalement, là, du coup, ça devrait améliorer les choses. Si je regarde, du coup, c'est... Alors, quartier général de la police... Ah non, ça, c'est... Ok. Et donc là, normalement, moins 8% de taux de criminalité. Sachant qu'on avait un taux de criminalité de 95%. Juste avant que je mette ça. Ça va pas faire de mal. Ça va pas faire de mal. Alors par contre, pour l'instant, on n'a toujours pas de... Ah, j'ai... Attendez. J'ai vraiment que... Ah ouais, non, mais en fait, je pensais que j'avais mis pas... je pensais que j'avais mis plus de trucs sur anti enfin pour la police. Ah ouais, non, mais en fait la police, je m'en occupe pas du tout en fait. Je pensais que c'est enfin je comprends pourquoi j'ai 95%. Je comprends pourquoi j'ai 95%. Où est-ce que je pourrais en mettre un? Faut que je trouve le moyen de mettre un deuxième parce que, en fait, oui, j'ai 95% de criminalité, mais c'est normal. En fait. Parce que j'avais qu'une gendarmerie. Où est-ce que je pourrais le mettre? Là, j'en ai un là. En fait, là, actuellement, j'ai ça. Commissariat de police. Là, il faudrait que je mette un quartier général de la gendarmerie, ce serait pas mal. Parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait... capacité de centre de détention 100. Véhicule de patrouille 20. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais malheureusement, j'ai pas énormément de place. Malheureusement, j'ai pas énormément de place. Ah, puis y a même pas un endroit où... Genre dans le sens de la longueur et tout, ça passerait quoi. Il est où l'autre? Il est là. Ah, même là, ça passe pas. Même là, ça passe pas. Ah, là, il y a des bureaux. Ah, faut que je trouve un endroit. Faut que je trouve un endroit vraiment. Ah, et je viens de me rendre compte de ça. Je viens de me rendre compte. Alors, niveau soins, je suis pas trop mal, mais niveau. Alors, cette forêt-là, on s'en sert. J'ai pas de case à acheter, tu vois, donc. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va le mettre là.
Voilà. Et du coup, ça fait plaisir à tout le monde est content. Et je comprends bien pourquoi je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent, mais en fait, c'est parce que j'en dépense pas. On peut. Hop, pas grave, ça on va le détruire. Voilà. Ok, du coup, ça devient une rue sans issue, mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas. Et donc, ouais, là, niveau gendarmerie, ça va être mieux, quoi. Ça va être beaucoup mieux. Et après, peut-être qu'on a une passe par là pour en mettre une autre. Ah, bah oui, il y a la forêt qui est là. Du coup, la forêt qui est là, derrière, il n'y a rien, normalement. Donc, je peux remettre une autre gendarmerie ici. Hop là. Voilà. Et donc là, je pourrais même peut-être y rajouter des trucs. Cellules supplémentaires. Parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde à mettre en tôle. Je pense qu'il va y avoir du monde à mettre en tôle. Élistation. On continue à gagner de combien là? Plus 41 000. Mais bon, ce qu'on fait, c'est on dépense beaucoup là. Extension de garage. Voilà. Et peut-être... Bah tout le fond là. Hop là. Voilà. Au moins on a de quoi faire. C'est vrai que j'avais mis un parc là. Mais au moins voilà. Et l'autre là-bas, du coup, je vais faire pareil. L'autre là, je vais y faire pareil. Sauf que je vais pas pouvoir. Bah, je vais y mettre une illustration déjà. Ouais, bah ils se plaignent, mais à côté de ça, ils vont avoir. Ils vont avoir un service de gendarmerie qui va être bien meilleur. Voilà. Ok. Perfect. Du coup, là, normalement, le taux de criminalité devrait diminuer de beaucoup. Mais ce qui manquera toujours, c'est une prison pour l'instant. Pour l'instant, il va toujours manquer une prison. Mais là, je pense que déjà, le taux de criminalité, il va faire une chute libre. 76. On était à 95 tout à l'heure. Pas trop mal. Ça va, on va y aller step by step. Alors, du coup, maintenant. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire notre petit village là-bas, là. Juste là, là. Donc, déjà, il faut qu'on fasse la sortie d'autoroute. Qu'on va faire manuellement, puisque de toute façon, j'ai pas débloqué ça. Et puis, en vrai, je me prends de. Je pensais pas que j'allais aimer ça. Mais en vrai, j'aime bien faire les sorties d'autoroute moi-même. Bim. Ok. Et donc du coup, on prend une voie. Non. Alors ça, par contre, c'est chiant ce bug. Ça croche. Je sais pas pourquoi ça croche. Ça croche à des endroits. Tu fais pourquoi? Je te dis pourquoi en fait. Hop. Et on va directement monter à 10 mètres. Ok. Et là, on redescend à 0. Ok. Ça, c'est bon. La sortie ici.
Ok. L'entrée. Comme ceci. On va aller jusque-là. Et ensuite. Ok. Et elle, on va. Je vais refaire un truc peut-être un peu bizarre, mais. On va faire ça. Je monte à 10 mètres. Ok. Et là, je vais redescendre à 0. Ok. Alors, j'aime bien faire des échangeurs un peu particuliers, mais tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire. Ce qu'on va prendre, c'est une rue comme ceci. Je vais faire une grande rue. Même si c'est un village, je vais faire une grande rue. Au moins ici, quoi. Et au milieu, on va y mettre un grand rond-point. Voilà. Ici, un grand rond-point, ça fera le taf. Ok. Maintenant. Ok. 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 Voilà. C'est une pieuvre le truc. Et du coup, là, on va pouvoir commencer à faire un zonage. Enfin, faire de la place. Par contre, je suis en train de me dire que. C'est bien gentil. Sauf que je vais rien pouvoir faire en fait. Alors, on est bientôt au niveau supérieur, heureusement. Parce qu'en fait, là, j'ai pas d'électricité ni d'eau. Je suis en train de me dire là, j'ai ni électricité ni eau. Voilà. Ouais, quoique. Est-ce que je fais vraiment. Non, on va faire une voie. Vous savez quoi? On va rester sur de la. Sur du petit chemin. Enfin, sur de la petite route. C'est un village, donc. Et puis pas droit comme ça. J'aime bien. J'ai fait un truc et je reviens directement sur ma décision. En courbe. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a long. Ah là, je vais zoner à la main parce que. Enfin, je vais zoner au cas par cas pour essayer qu'il n'y ait pas trop de trucs dégueulasses. Pour essayer de respecter un peu la falaise là. Enfin, au maximum quoi. Let us move
now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it Ah, jusque là. Ok, c'est pas mal. Ça me plaît. Là, l'espèce de descendre comme ça, là, ça fait. Alors, ça. Ouais, j'avais dit village, ça va peut-être faire une petite ville. Mais. Alors, par contre, ici, je pense que je vais détruire. Et la route. Ah, ça va être une petite ville, je pense, plutôt. C'est vrai qu'au début, j'avais dit village, puis en fait, ça va peut-être, je pense... Ça va peut-être une petite ville, mais... The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Et en vrai, celui-là, je le ferais bien redescendre comme ça. Voilà. Et là, pareil. Mais il n'y aurait pas forcément de construction ici, mais c'est juste voilà, des raccourcis pour la ville. Et ensuite, bah ouais, je pense qu'en fait, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. En termes de dessin. Donc en fait, ça va être assez éparse. Ça va être assez éparse, mais ça me déplaît pas en vrai. Alors après, on peut aussi aller rejouer un peu en bord ici, là. Pour essayer de gagner un tout petit peu. Gagner un tout petit peu d'habitants. En vrai, je me dis que ici, ça va pas être de la grande route, finalement. On va pas garder cette route-là. On va prendre ce petit chemin-là. Voilà. La petite allée là, ça rend bien. J'aime bien ces petites allées là. Et pareil ici en fait on va se mettre en allée. Voilà, c'est le bord de mer, c'est mignon, c'est. Il faut que ça reste un joli endroit quoi. Avec des petites îles en face et tout, c'est sympa. Même si du coup on a aussi aucune fourniture médicale. Efficace du tout, bah, ok. Même si on a les bateaux qui passent au large, mais bon. Par contre, du coup, là, je peux rien amener parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà. J'ai pas d'électricité et j'ai pas d'eau courante non plus. Alors, en vrai, l'eau courante, je pourrais la produire facilement. L'électricité, un peu moins, tu vois. En fait, il faudra que je puisse relier aux cases qui sont là. Voilà. Ce qui m'arrangerait, c'est que ce... là aussi, je voudrais faire un petit village, je pense. Là, ce serait vraiment un petit village, tu vois, genre... enfin, en bas de la falaise, quoi, au bord de l'eau. Ce serait sympa. Ah, sympa. D'ailleurs, le train viendra sûrement là. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ah, peut-être là. Peut-être qu'il passerait comme ça et... je sais pas. À voir. On est presque au niveau 12. Ah bah voilà, au moment où je le dis. Vaste cité.
3 200 000, 12, 21 cases et 12 points. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, on va prendre... Donc, on a 13 points, du coup, ici. La prison, il la faut. Voilà. Je pense que c'est important. Là-dedans, je me retiens, mais... Parce que j'ai très envie de le faire. Alors, par contre, le nom, non. Non, c'est Skyline, non. Non. Sharp X. La référence à peine voilée à l'entreprise de l'autre con. Putain. Est à la fois un musée spatial d'espace ainsi qu'un centre de commandement actif et une plateforme de lancement de fusées. Il attire et augmente l'efficacité de l'industrie et des bureaux. Alors oui, je n'aime pas... Oui, je n'aime pas... Musk, voilà. Bon, pour plein de raisons. Parc de serveur, centre trip. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, c'est lui qui a créé Tesla, non. Non, non, il a juste volé la boîte d'un mec. Mais bon. Enfin, volé. Non, il l'a racheté et enfin, c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je sais pas ce que je vais prendre. Les maladies, ouais. Là-dedans, non. Électricité. Non. Ah, en vrai, électricité, c'est vrai que pour une. Pour si je refais une île, parce qu'il y a une deuxième île, ça pourrait être intéressant. En vrai, au lieu de faire un barrage. Même si ça prend une place énorme. Mais là, je pense. Et offre des possibilités de divertissement, de culture aux touristes. Un permet aux avions d'opérer depuis la ville. Ça peut être sympa aussi, tu vois, mais je sais pas. En vrai, l'aéroport, ça peut être sympa aussi, quoi. Ça permettrait d'amener du monde et après avec les tours et après d'amener des touristes, quoi. Enfin. Après, non, on a déjà des trucs. Ouais, non. Allez, déverrouiller touristes. Il me reste un point. De toute façon, il me reste toujours un point. C'est un truc de dingue. Et là, le point, on pourra pas l'utiliser, je pense pas. Et du coup, on va acheter des cases. Donc bah là l'intérêt c'est de déverrouiller. Elle est où ma gare d'ailleurs? Attendez, faut que je regarde où est-ce qu'est ma gare. Ma gare elle est là. Donc ça va repartir comme ça. Donc dans l'intérêt, il faudra que j'achète ça, ça. Ça, ça, ça. Déjà ça c'est acheté. Comme ça on peut faire venir le train. Et je pense que je vais le faire venir directement en fait. Et comme ça, on peut ouvrir une autre ligne aussi par là. Enfin, ou allonger la ligne, quoi. Ensuite, en autre achat, je pense qu'on va acheter ce qu'il y a au bord de l'eau. Voilà, tout ça, je le veux. Bah, c'est nickel, on peut acheter tout ça, en fait. Acheter. Ok, il me reste deux cases. Il me reste deux cases à acheter. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à acheter comme case? Bon, en vrai, là, pour faire, faire carré, voilà. Et parce qu'on peut faire aussi des petites bourgades dans le coin là. Ok.
Du coup, avant de faire ça, on va du coup allonger notre train. Alors, ligne ferroviaire, le train. Je pense que, en vrai, pour éviter de tout redétruire là, enfin, pour éviter de foutre trop le bazar, bah, déjà, on va quand même être obligé de détruire un peu là. Non, non. Mais... Ah! Pourquoi ça veut pas? Ok. Voilà, c'est bien. Et là, tu plonges... Non, on va être encore obligé de faire un PN là. Et ensuite, là, tu plonges, par contre. Ah, zut. Faudrait que je fasse un... En fait, faudrait que je fasse un plongeon en... Faudrait que je fasse un plongeon en courbe, quoi. Ah ouais, alors attends, on n'est pas encore assez ressorti là? Ok. On n'est pas encore assez reparti en fait du... Ah en fait, on n'a pas du tout passé le PN en fait. Ok. Et ensuite... On descend à 30. Ah, oh, me dis pas que je vais pas avoir le choix que de tout détruire là. Eh ben, je crois que je vais pas avoir le choix. On est obligé de faire une trouée dans la ville. En vrai, on va faire une trouée dans la ville et à partir de là, par contre, on descend. On fait une première partie trouée dans la ville, là. Et là, on tourne et là, on descend à 30 mètres. Ok. Ok, et là on remonte à 0. Là on va faire un pont au-dessus. Donc on va passer à 10 mètres. Là.
local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this winter. OK, là on redescend à zéro. Installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued. Alors en fait du coup la rue qui est là, elle va pas exister. Parce que là ici on va y mettre la gare, je pense. Et par contre, dès qu'on sort de la gare, faudra plonger en... Plonger pour ressortir là et venir là. Et sortir de la carte, parce que là, on est au bord de la carte. Ouais. On va faire ça. On n'a pas de gare souterraine en train ? Gare de marchandises... Non. On n'a pas de gare souterraine en train. Pas grave. Ok. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. OK. But if you're planning a quick trip out, you might en arrivant en tranchée, pourquoi pas? If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. OK. Non. J'aime bien OK, non. En fait, non. Ah, il faut que je mette la prison aussi. Ah, on a 31 minutes. Eh, je vous jure, no joke, les épisodes, quand je tourne un épisode sur City Skyline, je vois absolument pas le temps passer. Je dis pas que sur TPF, je vois le temps passer, parce que... Alors, ça dépend. TPF, je commence à m'y habituer. TPF, c'est vrai que j'ai pas une lassitude, mais... Mais TPF, ça fait un moment que j'y joue, quoi. Et voilà. City Skyline, ça fait pas très longtemps que j'y joue. Et du coup, bah ouais, quand j'y joue, là, je suis trop bien. J'adore ce jeu. Mais alors, vraiment, quand je vous dis que j'adore ce jeu, c'est vraiment, j'adore ce jeu, quoi. Là, on va descendre à 20 mètres. Pour passer ici. Et ensuite, on remonte. OK. Et donc là, on est au bord de la map, c'est bon. Et on va dire que ces voies... En vrai, on peut dire que ces voies-là, elles vont pas plus loin. Il n'y a que ces voies-là qui sont de passage. Et ces voies-là, c'est des voies terminus. Ouais, vas-y, on va dire ça. On va dire ça. Bah, allez. Du coup, ça, c'est good. On va pouvoir faire venir les trains. Par contre, c'est vrai qu'il y a la gare principale là-bas. Faut que je relie... Et alors du coup, ces voies-là, on va les relier en voie unique. OK. OK. Nickel. Nickel, nickel. Maintenant, il faut qu'on amène l'eau là-bas. Donc, on va prendre une canalisation à partir de là. Et on va la tirer jusqu'ici. S'embête pas.
Voilà. Du coup, il y a de l'eau ici. Alors, par contre, l'électricité, c'est un peu plus chiant. Oh, j'ai cru qu'on pouvait prendre... J'allais dire, ouais, ça c'est un peu bizarre. J'ai cru qu'on allait pouvoir prendre l'électricité sur la voie ferrée. Mais non, mais de toute façon, on va aller chercher... On va aller chercher l'électricité directement là-bas. Bah en vrai, on va longer l'autoroute. Hein. Bon bah non, bah tiens, ouais, je sais ce qu'on va faire. Alors par contre, ça va être compliqué parce que... Quand tu fais ça, tu vois pas... C'est compliqué parce que comme on n'y voit rien. Et là, à partir de là, on va longer la voie ferrée. Ah non, c'est pas la voie ferrée là, attends. J'ai cru que c'était la voie ferrée, mais non, c'est pas encore la voie ferrée. Ah, c'est l'horreur par contre. Eh, aussi bien, ça va être dégueulasse, mais j'aurais pas assez 3 plombes. Mais c'est juste que je veux pas faire. Enfin. Après, il y a peut-être un truc qui me permet de coller au. Alors, étape d'élévation. Est-ce que je viens de découvrir qu'on pouvait faire bien une alimentation souterraine? Non, non, mais non. Non, 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 non. Ah, quand je vous dis que je découvre le jeu. Quand je vous dis que des fois je découvre le jeu. Et en plus, moi qui... Qui disait, qui a dit, ouais, l'île... Ah du coup vous avez pas encore vu, ah ouais, parce que j'ai tellement d'avance que vous pouvez pas, enfin, vu que je prends de l'avance, vu que j'arrête pas d'y jouer, je prends de l'avance, je prends de l'avance sur mes épisodes et donc du coup vous avez pas pu me dire qu'en fait, vous avez pas encore pu me le dire qu'on pouvait, qu'en fait on peut bien faire un cap soutien. Et donc du coup je me suis fait chier à faire un barrage là-bas pour rien. Mais en vrai de vrai du coup. Chevauchement d'un élément.
Mais en vrai, du coup, je vais pas vous cacher, je vais pas me priver pour faire un truc. C'est que je vais aller chercher le courant qu'il y a ici, vu qu'on en a en excédentaire, bien évidemment. Je vais descendre à très grande profondeur pour passer sous l'eau. Ah bah on a du courant excédentaire, crois-moi que je vais pas le laisser. Maintenant que j'ai découvert ça, croyez-moi que je vais pas le laisser. Je vais pas laisser passer, hein. Clairement. Et voilà. Du coup, là, on vient de récupérer une consommation délirante. Et même les lignes de tension, en fait, on peut les enterrer. Non, mais je découvre des trucs. C'est des trucs de malade. Bon, en tout cas, on est à 41 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas venu à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf sur Handy Canal Planning qui est en passe-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Alors que je zone déjà un petit peu. Et que je fais des bêtises. Il est temps que j'aille me coucher parce qu'il est presque 3h du mat. Allez, ciao!